Dans cet exercice, nous savons que les tableaux sont de proportionnalité et nous allons chercher un nombre manquant. Dans le cas 3, le coefficient de proportionnalité ne saute pas aux yeux. 7 n'est pas dans la table de 3, donc je ne peux pas utiliser cette méthode. De plus, 5 n'est pas dans la table de 3 non plus. Donc là, je suis bloqué pour travailler vers les colonnes, entre les colonnes. Donc, comme nous avons vu précédemment, nous allons utiliser le fait que les quotients sont égaux. Et si les quotients sont égaux, ça veut dire que les produits en croix sont égaux. Autrement dit, pour trouver x, je vais calculer le produit en croix, 7 fois 5, divisé par celui qui reste, c'est-à-dire 3. Je vais donc trouver que x est égal à 7 fois 5, 35, divisé par 3. Ce qui fait environ, c'est pas demandé, donc je ne vais pas le poser. Si on prend la calculatrice, si on pose, on trouve 11,666, etc. Mais comme dans cet exercice, on ne m'avait rien demandé, le résultat final est 35 sur 3. Alors comment rédiger correctement? On justifie par le fait que c'est un tableau de proportionnalité, c'est dit dans l'énoncé. On dit que les produits en croix sont égaux, ça au pire, si vous l'oubliez, on ne vous enlèvera pas de points. On effectue ce produit en croix, donc pour trouver x, je fais 7 fois 5 divisé par 3, la diagonale, divisé par 3, et le résultat final, puisqu'il n'y avait rien de demandé, est la fraction. Si on vous le demande, en nombre décimal, soit vous posez la division, soit vous prenez la calculatrice. Cela va donc très très vite. Retenez bien, tableau de proportionnalité équivalent à produit en croix.